Bonsoir, nous sommes ici à l'hôtel Le Bristol avec M. Jean-Louis Saumon, directeur général. Alors, M. Jean-Louis, qu'attendez-vous de l'année 2004 de Paris et de l'hôtel Bristol? Ben, disons que l'année 2003, on vient de vivre une année 2003 assez difficile, donc ce que je peux attendre de 2004, c'est qu'elle soit déjà meilleure, qu'il y ait plus de clients. Et pour qu'il y ait plus de clients, je pense qu'il faudrait que le dollar nous aide un petit peu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il remonte parce qu'il est en train de chuter quand même un peu trop pour nous, pour l'économie française et pour le tourisme français en particulier. Et pas seulement français et européen même. Donc on aimerait que le dollar remonte et puis avoir beaucoup plus de clients qu'en 2003. Et notamment des clients argentins. Lo comenta el señor San Luis que el objetivo, el 2003 fue un año difícil, que esperan que el 2004 sea un año mejor. La economía francesa tuvo determinados inconvenientes, por lo cual espera, digamos, del hotel que venga más clientes y, por supuesto, más clientes argentinos. Pour nous, bien sûr.
en dehors de nous, bah, disons que l'hôtel, on a un service qui est, je pense, un des meilleurs du monde. Ensuite, on a un très beau jardin. Et c'est vrai que dans le cœur de Paris, vous connaissez Paris, donc tout est, il n'y a pas beaucoup de jardins. Et nous, on a un immense jardin dans l'hôtel, ce qui est un luxe particulier. Ensuite, nous avons une piscine qui est sur les toits de Paris. Et nous avons, bah, comme vous pouvez le voir, une élégance, un raffinement, que ce soit dans les chambres, que ce soit au restaurant, que ce soit au bar, dans toutes les parties de l'hôtel. Et puis en plus, nous avons un chef étoilé Michelin, qui a 2 étoiles Michelin, et qui est, je pense, aujourd'hui un des meilleurs restaurants de Paris. Donc ça fait beaucoup de raisons pour venir nous voir. Je crois que oui, vraiment. Nos comenta el señor Jean-Louis que el hotel tiene... La pregunta fue, digamos, ¿por qué razón que él considera que la gente viene al Bristol? Y la respuesta de él fue básicamente que, bueno, que ya con ver el hotel, que tiene un gran estilo, comenta que es uno de los pocos o únicos hoteles de París que tiene grandes jardines, lo cual es importante. Además tiene una piscina, lo cual también es muy difícil encontrar en París. Por supuesto que París tiene sus atractivos ya de por sí, así que es, digamos, un lugar donde la gente ya sola viene. Y comenta también que tiene muy buen chef, que considera que el restaurante del hotel es uno de los mejores restaurantes que hay en París. La troisième question, el de dernière, quelle est l'histoire de Bristol? Quel est le style de l'hôtel? L'histoire de l'hôtel, l'hôtel est né en 1924 d'une famille française qui avait un petit hôtel à côté de l'opéra, et qui, c'est Monsieur Jamet, et qui a voulu un jour faire un hôtel de grand luxe. Et il a été précurseur, puisque c'était un des premiers, il y a déjà le Ritz, mais c'était le deuxième hôtel de Paris qui se construisait. Et il ne voyait que par le luxe, l'élégance, c'était un très grand monsieur. Il a fait d'un petit bâtiment qu'il a trouvé sur la rue du Faubourg Saint-Honoré un hôtel merveilleux, qu'il a tenu jusqu'en 1962. Et ce monsieur avait 9 enfants. Donc les 9 enfants ont voulu gérer ensuite. Donc c'est un petit peu difficile pour la bonne gestion de l'hôtel. Ce qui fait qu'en 1978, ils ont dû vendre. Ils ont vendu à nos propriétaires actuels, qui sont une famille allemande, une famille exceptionnelle, parce qu'une famille qui voit, et pour notre métier c'est important, qui voit surtout le long terme, qui veut que l'hôtel soit toujours en état parfait, ce que vous avez pu constater pendant votre visite, et qui nous donne les moyens de le faire. Ça, c'est important. L'hôtel est un hôtel qui nació en 1924 de una pequeña familia. Al lado, tenían un hotel inicialmente más pequeño al lado de la ópera y luego, por supuesto, fue creciendo. El propietario inicial siempre quiso mantener un buen estilo, con mucha clase, y eso fue y sigue siendo la prima del Hotel de Bristol. Thank you.
Thank you.